Une tuerie à Mazar-i-Sharif en Afghanistan. Une vingtaine d'employés des Nations Unies, selon une source onusienne, ont été tués sauvagement dans cette grande ville du nord du pays. Deux d'entre eux auraient été décapités. Ils sont étrangers en majorité, affirme la police afghane, et ils sont morts lors d'une attaque du siège de l'ONU à Mazar-i-Sharif. L'attaque a été menée par des personnes armées à l'issue d'une manifestation à laquelle avaient participé environ 500 Afghans. Ces manifestants protestaient surtout contre l'action provocatrice d'un pasteur américain intégriste. Le 20 mars dernier en Floride, il avait brûlé en public un livre du Coran. Les violences se sont poursuivies plusieurs heures autour du siège de l'ONU à Mazar-i-Sharif.